aujourd'hui, en fait, je manage une équipe composée d'ingénieurs et de techniciens et d'ouvriers. Hein. Il y a à peu près une vingtaine, voire 25 personnes dans mon équipe. Alors, mon cursus, en fait, à l'UTC de Compiègne m'a permis, en fait, d'apprendre, je dirais, le bon sens industriel et apprendre les outils, en fait, d'amélioration continue hein, qu'on utilise au quotidien, en fait, pour délivrer de meilleurs produits à nos clients et à nos consommateurs à travers les méthodologies, en fait, je dirais, de production, des connaissances un peu techniques pour pouvoir travailler sur des problématiques techniques qu'on a au quotidien dans nos méthodologies de production pour pouvoir les améliorer, pour améliorer nos cadences aussi de production, pour délivrer des produits, je dirais, de manière plus rapide, plus adaptée aux besoins de nos clients, et aussi pour travailler, je dirais, dans la partie management d'équipe à travers les cours qu'on a pu avoir aussi à l'UTC de communication, de gestion, de projet qui nous permettent aussi de travailler sur des problématiques avec des gens de différents horizons, de différentes expertises aussi, pour pouvoir justement travailler, je dirais, en groupe, en équipe pour ces problématiques-là. Il y avait des cours, par exemple, en fiabilité et qualité industrielle, hein. C'est des cours qui étaient très généralistes, qui nous permettent d'apprendre justement des outils en fait, de résolution de problèmes, je dirais, d'amélioration continue, qu'on utilise énormément aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des cours de lean manufacturing aujourd'hui, qui nous permettent de travailler sur des problématiques concrètes. Et on avait aussi des interventions pendant ces cours-là d'industriels qui venaient parler de problématiques concrètes qu'on y touche aujourd'hui au quotidien avec nos équipes. Et aujourd'hui, en fait, avec l'industrie 4.0, ce qu'on essaie de faire, c'est de digitaliser nos outils de production au quotidien pour avoir en fait le maximum de data qui nous permettent d'avoir des analyses plus rapides et plus efficaces pour répondre à nos problématiques quotidiennes.